Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des filets de poisson chat. Garnis d'un mélange d'herbes, de beurre et de citron et cuit au four jusqu'à ce qu'il soit doré. C'est un dîner de semaine rapide et facile à faire en quelques minutes et surtout très délicieux. Je vais juste dire ceci, j'adore les plats frits. Je l'ai dit et je le pensais aussi. Il n'y a pas mieux dans ce monde pour moi qu'un morceau de poulet frit parfaitement cuit. Ou steak ou du poisson frit. Je me rends compte qu'une partie de mon amour de la friture est culturelle. Quand je grandissais, un repas quotidien consistait en une sorte de viande, le plus souvent frite, accompagnée de deux ou trois légumes et de pain. Un morceau de steak ou du poisson brun doré est légèrement croustillant à l'extérieur et juteux et humide à l'intérieur. Moins de friture, plus de cuisson et de rôtissage. Bien sûr, nous avons tous appris qu'il y avait des façons plus saines de manger. Et notre alimentation a progressivement changé. Moins d'aliments frits, plus de viande cuite au four ou rôti. Mais j'ai encore parfois envie de cette bonne vieille friture. À l'époque, les gens pouvaient gérer un régime plus riche en calories en raison de tout le travail manuel qu'ils faisaient. Aujourd'hui, pas tellement. Donc, même si j'aime toujours mes aliments frits et que j'en profite beaucoup à l'occasion, je recherche des façons de cuisiner un peu plus saines. Dans cette recette de poisson chat cuit au four, les poissons sont enrobés d'un délicieux mélange d'herbes et d'épices, puis arrosés de beurre et de jus de citron et cuits au four. Cette recette est différente des recettes habituelles de poisson chat frit. Nous apprécions vraiment cette recette et je suis heureuse de la partager avec vous aussi. Pour les ingrédients, nous avons besoin de 3 quarts de cuillère de paprika, 1 demi-cuillère à café thym séché, 1 demi-cuillère à café origan séché, 1 demi-cuillère à café basilic séché, 1 demi-cuillère à café poivre noir moulu, 4 filets de cils entiers, jus d'un citron, 2 cuillères à soupe beurre fondu, 1 quart de cuillère à thé poudre d'ail, aérosol de cuisson anti-adhésif. Pour la préparation, commencez par préchauffer le four à 350 degrés. Mélangez le persil, le sel, le paprika, le thym, l'origan, le basilic et le poivre dans un petit bol. Saupoudrez des deux côtés des filets de poisson chat. Placez les filets dans un plat de cuisson enduit d'aérosol de cuisson anti-adhésif. Saupoudrez des deux côtés des filets de poisson chat. Par les épices et le sel, mettez le jus de citron et la beurre fondue sur la surface des filets. Vous pouvez mettre la beurre en morceaux sur les filets. Vous pouvez couvrir votre plat par du papier aluminium avant de mettre les filets de poisson chat, puis mettez le spray anti-adhésif sur la surface. Cela facilite le détachement des filets une fois cuits et sortis du four. Ainsi que votre plat sera facile à nettoyer par la suite. Une couleur dorée, et se défasse facilement par la fourchette, votre plat peut être servi. Garnis la surface avec des herbes hachées et des quartiers de citron. Laissez un commentaire et dites-nous comment préparez-vous les filets de poisson chat. À bientôt.